Bonjour à tous et à toutes, je suis Ravius, je suis malade et aujourd'hui Megaman 2,5D. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit fan game de Megaman 3 il me semble, qui a été redesigné de façon à ce que ce soit un jeu 2,5D. Et chose intéressante, on peut jouer à deux. Alors évidemment, vous voyez. Alors je vais juste passer mon clavier en cocktail, voilà. Alors single player, coopération, option, achievement, que je m'en vais regarder. Alors. Ah les secrets, je découvre ça. Très bien. Il y a ma part qui vient de claquer, c'était génial. Bon, on va lancer la première partie. Alors, trois modes de difficulté, easy, normal, hard. Easy parce que je suis une beat. Alors tag direct. Nous pouvons sélectionner 7 robots sur les 9. Non, je suis en train de dire de la merde. 6 robots sur les 8. Alors les ceux-ci sont cachés. On va commencer avec celui-là. Et là, tac. Alors comme vous voyez, on peut jouer à deux. On peut choisir soit Megaman, soit Protoman. Je prends Megaman parce que à l'habitude. C'est parti. Tout a été refait. Les musiques sont un peu mieux, je trouve. Mettons la pause 2 secondes. Tac, pause. Alors, ce que vous voyez en tout petit, et c'est très petit, en haut à gauche, il y a ma barre de vie en jaune. En bleu, c'est mon pouvoir. J'ai 9 vies. Ou 10, je sais plus. Je crois que j'ai 10 vies. Et 0 éteint. Et c'est tout. Alors on peut switcher d'armes avec des touches de raccourci rapide. Tire avec une gâchette. Sauter. Ah c'est vrai que je suis... Oula. D'accord. Et là vous voyez direct. Ah ouais ok. Waouh. Ça commence très très bien dès le début. Ok. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Megaman. Là il y a une vie. Ah je voulais m'y risquer mais non. Je n'aurais pas. Je ne préfère pas. Tant mieux, il y a une vie là. Oula. Il y a des nouvelles mécaniques de gameplay j'ai l'impression. Et j'ai envie de vous dire c'est tant mieux. C'est intéressant, ça rajoute de la difficulté. Ok, je vois.
Ah ouais, maintenant faut doser les sauts. Ça c'est intéressant. Alors je dirais. Oula. Ouah, ça m'a fait peur ça. Oh, cette mort de merde. Ah oui, je recommence au début. Bon, là, je sais ce qu'on va faire. On évite tout. On traverse, on tombe. Là, je fais un petit dégât. C'est pas grave. Je perds un peu de vie. Je prends. Comme d'habitude, le jeu est gratuit. Totale liberté sur Rome Station. Pas très lourd. Et puis, si vous voulez revivre un grand moment du jeu plateforme avec un pote, allez-y. Très intéressant. Et là, ok, donc ça fonctionne que dans un sens. Que dans un sens. Très bien. Oula. Oula, ok. Ok. Je ne peux donc pas compter leurs attaques. Alors monte très vite. Raté. Ok. Vite pendant les frames d'invulnérabilité. Voilà. D'accord. Ok. Oula. Je sais pas si vous l'avez vu, voilà ça. Ça c'est bien pensé. C'est assez joli. Ah bah si je peux. Je peux lui mettre des coups. Oula, oula, oula. Oula. Putain, par contre là cette partie, je l'ai tellement pas senti. Un peu de vie. Le retour des météorites qui tombent. Un mecha. Et un mecha qui tient de la terre. Waouh, ça c'est beau. Il a dû y avoir un gros travail dessus. C'est. Non, il m'a pris une petite phase de shmup. Ah. Oh, putain. Ok. Par contre, pour vous faire revenir à un niveau, le jeu est. Alors, je dirais qu'il est salaud, mais il est assez aléatoire. Je dirais que les checkpoints sont un peu mis au hasard. La justesse. La justesse. Allez, on fonce. Une vraie phase de shmup. Très intéressant comme idée. Aïe. Une idée assez intéressante et brillamment trouvée. Putain. Ouais non, là je pense que je vais mourir. Je vais décéder. Je vais tellement décéder si je fais rien. Ah putain. Non, c'est très intéressant. Je suis favorable. On peut peut-être dire que c'est une version remaster des jeux. Moi j'aime. Pardon. Bon. Comme je l'ai dit au début, je suis un tout petit peu malade. Mais ça ne me touchera pas.
de jouer un coup. On essaie de prendre le tank. Oula. Maintenant je vais prendre le tank. Il y avait largement moyen, c'était sûr. Ah je peux pas, je peux pas. Comment je fais pour utiliser le tank? Voilà par contre. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris comment on utilise le tank. D'accord. Donc j'ai dû mettre la mauvaise touche. J'ai dû utiliser la mauvaise touche alors. Déçu. On aura plus de passer. On assiste. Bon, il y a une vie. Je suis pardonné. Ah mais je peux pas l'utiliser pendant cette phase. D'accord. Je peux pas l'utiliser pendant la phase là, le tank. C'est un peu con je trouve. Non mais on est parti pour des morts en boucle. Je vais essayer de la jouer safe. Ce que je ne fais actuellement pas. Bon, je crois que j'en ai marre. Pas moyen de passer à autre chose? Ouais, je vais vous montrer un autre stage par contre. Donc on va essayer celui de Snake Man. C'est bien beau de faire un stage, mais autant montrer les autres. Oula, je fallait tomber comme un con. D'accord. Ah, je me disais bien. On ne peut pas faire de tir chargé. Ça aurait été... C'est bête. Je pense que ça aurait été plus utile. Bah oui, bien sûr. Ah ouais, évidemment. Ah bah évidemment. C'est tellement facile. Ah là, je sens que j'ai tellement décédé. Je décède actuellement.
Ah puis c'est pas facile d'être sur une seule marche. D'accord, oula. C'est pas vous, mais j'ai l'impression que ça glisse un petit peu. Ah, ça y est. D'accord. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Cette phase, elle est easy. Ah, c'était moche. C'était laid. Bon, c'est pas des salauds au moins. Je vais me mettre là où je suis mort. Oula, 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 oula. Je la sens pas. Je la sens mais tellement pas. Oh putain, je la sentais pas du tout cette phase. Ben oui, évidemment. On avait une sur deux. Mais genre que une sur deux. Alors attendez, je sais un truc. Ouais. Je vais essayer de voir si c'était possible d'aller sur l'autre côté. Ouais, c'est rouge. Génial de la vie. Ok. Ça sent pas. Oh putain. Je veux tellement avoir la confiance pour ça. Et la confiance, je ne l'ai pas. Oh. Ouais, je l'ai tellement vu qu'il y avait un trou. LOL. Ok. Oh putain. Évidemment. Un boulet de bille. Esquive. Ok, en douceur. En douceur. En douceur. Est-ce que je vais finir un niveau? Ou au moins aller jusqu'au boss? Ah, j'y crois. J'y crois mort. On récupérerait juste la vie. Bon, non. Tant pis. Je fais 100. Ah. Yay. La porte du boss. Snake Man. Je vais mourir. Ok, ça part de vite en haut. Je reçois un appel, c'est trop bien. Ouais, on m'appelle. C'est la pause, désolé.
En fait, c'était juste un petit rappel. Un petit mémo que je m'étais mis. Que ça me tienne. Je les scène. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Le moment où vous avez vu, qu'est-ce qui vous attend si vous essayez Megaman 2D. Sur ce, je vous laisse. Téléchargez-le. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez une idée de jeu, fan game ou rétro, je me pencherai sur la question et peut-être que je le présenterai. Bon jeu et à la prochaine.